Alors, je suis assistant de bibliothèque au sein des bibliothèques du SCD, plus précisément la bibliothèque Robert-Étienne, la bibliothèque d'archéologie. Alors, j'ai effectué une mobilité de formation pour suivre des cours de langue en espagnol. Donc, je suis parti dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, dans la ville de Grenade, et j'ai suivi des cours d'espagnol au sein d'une école spécialisée en formation de langue. Et alors, je suis parti donc pour suivre précisément ces cours de langue parce que j'ai la chance de pouvoir suivre des cours de langue d'anglais et d'espagnol depuis 4-5 ans à l'université. Et ça m'est utile dans mes fonctions de tous les jours, étant donné que je travaille dans une bibliothèque de recherche avec beaucoup de chercheurs, étudiants étrangers, espagnols, italiens, anglais, allemands des fois. Donc c'est mieux pour communiquer. En plus, j'ai des tâches de correspondance pour lesquelles il faut que je parle anglais et espagnol, des fois à l'écrit. Donc voilà. Alors, ça m'a fait progresser donc en langue, en espagnol, autant à l'écrit qu'à l'oral, et surtout dans la réalité de l'échange humain, puisque j'étais directement en situation, tous les jours je devais parler pour manger, avec les propriétaires du logement dans lequel j'ai dormi, à l'école, avec les amis, donc vraiment j'étais en situation, ça m'a bien fait progresser. Voilà, ça m'a fait découvrir aussi un coin de l'Espagne que je connaissais pas, donc vu que je suis confronté à des chercheurs qui souvent viennent d'Andalousie, c'était bénéfique aussi pour mes rapports à la bibliothèque.